Bonjour à toutes et à vous toutes, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, la semaine dernière, j'ai fait une vidéo retour de course et je vous ai montré l'achat de l'eau de tas de chez... un sérum teinté de chez L'Oréal. Vous étiez nombreuses, nombreuses à me demander... Qu'est-ce que c'était que ce produit? Donc, écoutez, j'ai plusieurs fonds de teint. Parce que vous savez que je veux avoir un teint pas couvert et c'est très dur. Depuis le confinement, j'ai changé totalement moi, mes comment? Comment? Pour travailler mon teint. Bon, bah, écoutez, si le sujet vous plaît, et eh ben voilà, je vous peut-être mettre un petit générique, c'est à suivre. Voilà. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors voilà, mes amis, aujourd'hui, je vous parle de différents eaux de teint, de la CC crème et comment de la comment on appelle ça, du sérum teinté. Nous sommes à la recherche, nous les femmes matures, enfin moi surtout, je suis à la recherche d'avoir un produit le moins épais possible sur mon visage, pour pas que ça rentre dans les rides et les ridules. Et en avoir épais, moi je ne peux plus, je ne peux plus. Donc voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous étiez nombreuses à me demander qu'est-ce que c'était que le sérum teinté. Donc j'en avais testé un de chez 2 ans, de chez. Attendez. Oh, je sais plus le nom. C'est pas. Je vais vous dire des bêtises. De chez. Je ne sais plus le nom. Et je l'aimais pas. Donc, alors attendez, j'ai pas le, non, j'ai pas le nom. Ça va, si ça me revient, je vous le mette. Voilà. Donc voilà, j'ai acheté la semaine dernière l'eau de teint de chez L'Oréal. Donc j'étais intriguée par ce produit. Vous savez comment je suis, j'aime bien fouiller. Donc en plus pas cher, parce qu'en fin de compte, je vais vous dire des produits de très cher à pas cher. Qui fait le job très très bien. Alors moi, qu'est-ce que ça fait 8 jours que je teste celui-là, l'eau de teint de chez L'Oréal. Et ben écoutez, moi je le trouve comme ça, comme ça. Franchement, parce que je n'ai pas de couvrance à faire. Hein, je le dis bien. Hein. Moi j'aime bien, vous voyez mon teint. Voilà, j'ai mis un tout petit peu de blush, de comment on appelle ça, de poudre. Alors, tout simple de chez Yves Rocher que j'ai. Voilà. Donc j'ai mis un tout petit peu là le contouring et puis j'ai fait mes joues avec mon blush, un blush que je n'avais jamais utilisé dans les tons orangés. Voilà. Donc voyez comme quoi on peut être belle à un petit prix. Donc voilà. Ce sérum nude teinté, repulpant, 1, d'acide hyaluronique pur. Alors moi, c'est la teinte 2-3 Light. Je vais vous montrer ceci. Peut-être on vient de lui là, parce que comme j'ai mis un petit anneau. Donc voilà, ça se présente comme ceci, ce petit packaging. Ne vous attendez pas d'avoir un petit... comment? Une petite boîte. Il n'y en aura pas. Hein. Donc voilà celui que j'ai pris. Je vous le montre. C'est à forme de pipette. Voyez? Alors moi je mets 4 gouttes. Je vais vous montrer sur mon poignet. Là, je vais faire une petite goutte. Très très peu. Ça sert à rien. Alors comme je vous dis, je referme, ça coule. Voilà. Alors moi je l'applique au doigt. Regardez. Par rapport à ma carnation, je trouve que c'est très très bien. Vous voyez comme ça, c'est foncé. Donc, il se travaille. Alors après, il faut y aller tout doucement. Vous tapotez ou vous travaillez avec un petit pinceau comme celui-là, moi, que j'ai acheté chez IT Cosmetics ou un pinceau plat. Hein. Comme ça, vous travaillez la matière très, comme ça, très très plat. Ou un pinceau, moi j'aime bien celui de chez Nocibé qui a des années. Je le tapote comme ça. Alors, très très bon produit, j'ai à dire.
Et une fois qu'il est mis, il ne bouge plus. Vous voyez la couleur. Mon bras est très blanc. Alors moi, c'est comme je vous dis, je vous remets le nom. C'est la 2-3 Light. J'étais indécise par rapport à mon ancien fond de teint. Je voulais garder. Accord parfait. Oui, c'est accord parfait là aussi. Hein. Oui, c'est dans les accords parfaits pour les femmes pas matures. On va dire les femmes qui ont des rides. Donc je prenais celui-là depuis des années. J'étais amoureuse. Le 3D3W, et j'ai changé. Je suis contente d'avoir pris. Alors, ça, c'est le fond de teint, accord parfait. Vous voyez, il est oxydé. Hein. Donc, je suis très partante pour ce petit produit. Moi, je l'ai payé à 5, 16 euros et des poussières, mais je crois que sur le site, il y est beaucoup moins cher. Donc, si vous voulez vous faire plaisir et avoir un beau teint, écoutez, un petit budget, vous ne perdez rien du tout. Donc, voilà. Sur l'eau de teint de chez L'Oréal, je trouve qu'ils font des très belles choses. Franchement, des très belles choses. Et puis, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. J'ai pas fait de réaction. Ça n'a pas bougé dans la journée. Donc, je me suis maquillée avec ce matin. Et comme je vous ai dit, j'ai mis ce petit truc-là de chez... pour poudrer. Alors, attendez, ça c'est de chez Yves Rocher. Et un petit blush. Voilà. Ensuite, je voulais vous montrer. Et j'ai fait mes... J'ai pas trop de cernes. Mes cernes là. Ben oui, elles sont là, mes cernes. Puis au-dessus de mes yeux. Mes paupières. L'effaceur de chez Maybelline. Très très bien. Moi, ça me convient. Voilà. Alors, autrement. Alors, ça, 16 euros. Autrement, j'ai fait venir, je vous l'avais dit, la CC crème. J'avais la BB crème autrefois, mais la CC crème, je n'avais jamais mis. Light Medium. De chez It's Cosmetic. Crème correctrice eau de couvrance. Eau de couvrance. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Comme ceci. Bon, là, dans les 40. Alors, attendez. 30 et quelques, je sais plus. Moi, c'était sur le site, j'avais 25% ou 30%. Je suis allée sur le site carrément. Et il y avait une promo avec le pinceau. J'ai fait venir. Donc, je vais vous montrer comment, par rapport à l'autre, une goutte, sa forme de pipette, vous voyez? Bon, je pense que vous connaissez. Donc, quand on commande, enfin, je l'avais attesté parce que la vendeuse de chez Nocibé m'avait donné un petit échantillon et j'ai trouvé pas mal. Donc, je l'ai acheté. Donc, alors, moi, j'applique tout le temps au doigt pour tapoter. Vous voyez, il en faut vraiment très peu. Et la teinte, elle me convient très très bien. Je vous montre ceci. Vous voyez? Je préfère vous faire voir en dessous, comme ça c'est plus proche du visage, la couleur. Voilà, la couleur. Elle est bien. Il y a une petite odeur. Donc pareil, vous tapotez après, vous voyez. Voilà. Pour ne pas déplacer la matière. Il y a une petite odeur. Je ne sais pas s'il y a des produits dedans, comme Provence. Non, je ne sais pas. Elle est très bien. Voyez? Voilà. Pour vous dire que 16 euros, 30 et quelques euros, je veux dire, pas loin de 40. Et j'ai acheté les beiges. Les beiges. Oh, je vais enlever mes... Les beiges, l'eau de teint. Ça m'a... Moi, je suis curieuse. À la fin de l'été, j'étais allée et je ne savais plus, je ne voulais plus mettre de fond de teint, je ne voulais plus faire mon teint, ben, bref. Donc, et je me suis retournée vers les beiges. J'ai dit, tiens, elle me dit, oui, ça existe depuis 2 ans. Donc, moi, je n'avais jamais vu. Bon, bref, c'est moi, hein, Marie-Françoise. Donc, elle m'a donné un petit échantillon. Ce n'était pas suffisant. Donc, j'ai redemandé un échantillon parce que, bon, ben, donc... 60 euros le truc. On fait attention à ce qu'on met. Hein. Déçu par le packaging parce qu'il est en plastique. Je ne sais pas pourquoi. Donc voilà. Alors, les beiges. L'eau de teint. Medium plus Chanel. Faut compter dans les 60. Moi, elle m'a fait un prix. J'ai payé de 40 quelqu'un. Elle m'a mis 45%. Donc voilà comment il se comporte. L'eau de teint. Voilà. Et c'est livré avec un petit pinceau comme ça. Alors, il est très bien pour travailler, pour l'appliquer.
pas assez grand peut-être, mais après, quand on y arrive, moi je finis avec. Parfois pas. Vous savez que je travaille tout le temps avec mes mains. Alors, qu'est-ce que c'est que ce haut de teint? Alors, moi, j'ai dit que j'ai pris la teinte médium plus. On est dans le noir encore. Oh, bah, le soleil se cache. Donc, voilà. Ce sont des microbilles dans l'eau, de l'eau de teint. Je vous montre. Alors, je vais vous montrer ici. Ça va être plus facile. On va vous montrer là. Hop. C'est pas facile. Là. Alors, il en faut très peu. Vous voyez, ça coule. Vous voyez? Alors, il faut prendre le petit. Je prends le petit. Vous voyez, vous écrasez. Et ça vous fait. Alors, sur le coup, vous croyez ne rien avoir, faut faire attention, hein. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Voilà. Le début, vous croyez rien avoir, mais regardez-moi ça. Cette perle. J'appelais ça des perles, moi. Donc voilà ce que ça fait. Vous voyez, il est assez quand même foncé quand il est bien travaillé. Mais sur les trois couleurs, je ne me suis pas tellement trompée. Hein? Voilà. Donc cet eau de teint a une valeur de chez Chanel. Ça part très très vite. Vous voyez, alors moi, en un mois et demi déjà, il faut en mettre vraiment. Que je dirais deux petites à trois pipettes, ça suffit largement. Autrement, on va au gaspillage et c'est pas le but. Ça va vous faire un teint glowy. Donc là, c'est vrai que j'en ai mis beaucoup hein, parce que normalement, voyez, on fait tout le visage avec. Enfin bref, j'ai fait tout bout. C'est pour vous dire, voilà, pour vous montrer comment il est. Il est parfait. Et puis, si vous n'avez pas de passion, écoutez, il est dans la boîte. Chanel a fait un bon produit. Je suis fan parce qu'il fait glowy. C'est la mode d'être glowy. Après, vous pouvez mettre un peu de blush, travailler votre teint. Voilà. Moi, je l'aime. Je l'aime beaucoup. Donc, celui-là, je garde surtout pour le week-end parce que ben, ça a un prix. Moi, je dis que les beiges, je le garde pour le week-end. Celui-là la semaine quand je sors et celui-là quand je suis à la maison pour avoir un teint lumineux. Donc voilà mes trois fonds de teint du moment, trois fonds de teint, trois eaux de teint, CC crème et sérum teinté. Je vais y arriver à la force parce que je Voilà, ce sont trois bons produits, 16 euros et des poussières, ou sous le site, beaucoup moins cher. Dans les 50 et quelques euros, en ce moment, il y a beaucoup de promos sur It Cosmetics avec le pinceau. Et là, pareil, dans les, il faut compter 62 ou 63 euros de chez Chanel, l'eau de teint. Donc voilà ma vidéo. Ce que je reproche de chez Chanel, c'est en plastique. Vous vous rendez compte un peu? On a tout en verre, et là c'est en plastique. Est-ce que c'est pour la planète ou quoi? J'en sais rien. Je n'en sais rien. Ou c'est peut-être pour le produit. J'étais déçue quand j'ai soulevé, je croyais être plus lourd, il n'était pas lourd du tout. Donc voilà. Voilà. Mais il est très très bien. Vous voyez, avec son petit pinceau là, très bien pour biseauter, pour appuyer. Et qu'est-ce que j'avais à vous dire aussi? J'ai reçu cette poudre-là à l'essai de chez It Cosmetics. Alors, allez, si vous brillez un peu trop, vous en mettez un tout petit peu. Je vais faire avec ça. Eh bien, écoutez, moi, je pense que l'échantillon va me faire l'hiver. Je pense à en commander. Je ne sais pas. Non, je ne vais pas commander. Donc, je vais utiliser celle-là. On va l'économie. Elle est parfaite, parfaite, parfaite. Voilà, mes amis, ma vidéo de cette semaine. Vous étiez curieuses à savoir les fonds de teint de cette semaine. Mais écoutez, c'est tout simplement, voilà, si vous voulez aller l'acheter, oui, prenez-le, vous n'avez pas de risque à ce prix-là. Attention de ne pas prendre trop foncé parce que c'est pas évident, hein. Bon, voilà. Alors, petit prix, moyen prix et
Gros prix. Voilà. Voilà, voilà ma vidéo. Oups, tout tombe de cette semaine. Sur ce, je vous souhaite de très belles, un très bon week-end. Plein de belles choses. Portez-vous bien. J'espère que ma vidéo vous aura plu, que je vous aurai apporté une réponse aux questions. Moi, je suis très, très, très heureuse de ce produit. Petit budget, parce que c'est un budget, les fonds de teint, ça part. Comme la CC crème, moi, je peux pas l'utiliser quand je ne bouge pas. Je reste... Il faut faire attention au porte-monnaie. Voilà, voilà. Donc, alors, j'ai fait mon petit brushing ce matin. Il est temps que j'aille chez le coiffeur. Vous croyez pas? Je sais pas. J'ai peur qu'elle me les ratiboise encore. J'ai tout le temps peur. Voilà, voilà. Portez-vous bien, plein de belles choses. Abonnez-vous. Actionnez la petite cloche. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Cela me fait énormément plaisir. Ça revalise un peu ma chaîne YouTube. Elle n'est pas très vue. Je ne suis pas très vue sur les chaînes, sur YouTube. Mais bon, c'est pas grave. Je le fais pour vous, pour celles qui me le demandent. Quand on me demande quelque chose, je le fais. Comme je dis tout le temps, oui, je le fais. C'est un petit plaisir, voilà. Mon compte Instagram, je le vous mets là ou là. Je ne sais pas, je vais voir. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Portez-vous bien. À très vite. Ciao.